Bonjour les poissons, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'août. Ça y est, on est au milieu de l'été. Il y a des départs, il y a des arrivées, bref, c'est les vacances. Profitez-en, on va regarder vos énergies avec le tarot mystique et l'oracle des rêves. Et je vais tirer une des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, une seule, pour voir un peu l'énergie extérieure qui va influencer ce mois d'août pour vous les poissons. Pas d'extension ce mois-ci, j'ai pas le temps. Donc on se revoit pour les extensions au mois de septembre. Désolée pour ceux qui sont fidèles, merci beaucoup à vous. Pour les bienvenus, bienvenue. Abonnez-vous, mettez des pouces. Ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées juste en bas de la vidéo, site internet, comme ça vous avez les tarifs, comment ça se passe, en visio, par téléphone ou en cabinet. Vous avez aussi mon mail, vous pouvez me laisser un message. Et puis, je répondrai si je ne suis pas en vacances. Bah, des fois, je pars ou je donne des formations, etc. Si je suis là, je réponds dans les 24 heures, 48 heures, grand max. Si je ne réponds pas vite, vite, c'est que bah, je ne peux pas. Et je répondrai quoi qu'il arrive. L'énergie extérieure, de quoi va être fait, en tout cas, de manière extérieure, votre moi doute, mais attention à pas rigoler, on a la justice, les gars. Alors, les poissons, la justice, je vais vous dire un petit peu ce qu'elle va favoriser ou ce qu'elle peut entraver pour vous. Mais d'abord, on va faire le tirage. Avec le tarot mystique, les poissons, un tirage en quatre cartes. La première, c'est votre point de départ, ce que vous voulez, votre intention. L'intention qui est jetée à l'univers comme ça, votre intention à vous, bah c'est le diable. Ok, c'est ce que vous voulez. Arcane majeur, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va aller voir ce que c'est. Votre défi, c'est la reine de deniers. Mon petit poisson. Ok. Wow, mais c'est fou. Le cavalier de deniers, je dis ça parce que vous voyez le paquet, il est gros. Hein, je me bats, je le mélange, je fais des tirages. Il y a vraiment des arcanes, des énergies communes entre les signes qui se succèdent. Il y a vraiment des... Il y a chacun sa route, mais il y a quand même des choses qui sont récurrentes. Un magnifique roi de coupe, les poissons, comment ça vous va bien tout ça? Avec... ça glisse, ça tombe. Avec l'oracle des rêves. Je filme pas mon bureau. Non, vous rigoleriez. Vous direz, mais comment elle fait pour s'y retrouver? C'est mon petit univers, mon bureau. 12h12. On a l'énergie vitale avec le diable. Ok. Avec la reine de denier, votre défi, c'est l'amour. Qu'est-ce qui se passe, le poisson? La nuit avec notre cavalier de denier. Et notre roi de coupe, on a un trésor. C'est pas mignon, ça? Allez, les petits poissons. De l'extérieur, vous allez être influencés par la justice. Ça rigole pas. Faites gaffe à votre matricule, les poissons. La justice, elle fait quoi? Elle a une épée dans une main. Elle tranche, elle coupe, elle décide. L'énergie de l'épée, c'est vraiment le mental, les décisions prises, les mots, le verbal, l'expression, voilà, intellectuelle. Les coupes, les balances, c'est peser le pour et le contre. C'est vraiment harmoniser ce qui se passe à un niveau plus subtil, à un niveau plus émotionnel, je dirais, puisque les coupes, hein, c'est quand même tout ce qui va toucher les émotions. C'est de l'eau, ok? La justice, elle essaye de bien faire entre tout ça. Elle regarde droit devant et elle prend du recul. Elle ne se précipite pas. C'est vraiment quelqu'un qui sait prendre de la hauteur, hein, ok? Donc là, c'est ça. Ça va vous aider à trancher, à être objectif, à voir les choses avec recul, à pas rentrer dans l'émotionnel à tout prix, à être, vous voyez, à savoir équilibrer les choses. La justice, c'est ça. C'est la perfection et l'équilibre. Et vous allez être accompagné de la perfection et de l'équilibre, les poissons. Mais vous, ce que vous voulez, c'est pas franchement de l'équilibre. Vous, ce que vous voulez, c'est de la passion, les amis. Le diable. Ce que vous voulez, les poissons, sur ce mois d'août, c'est caliente. Vous faites fi de la bienséance et tout ça. C'est pas ça, votre problème. Votre problème sur le mois d'août, ça va être la passion. Le diable, comme ça,
quand on veut ça, c'est souvent qu'on... ce que l'on veut, on le veut à tout prix. Vous voyez, il y a une idée de passion, il y a une idée de... il y a aussi l'idée de la liberté, hein, je fais ce que je veux, hein, avec le diable. Il y a l'idée de la créativité, de la sensualité, de la séduction, de la sexualité. Bien sûr que le diable va nous parler de dépendance, bien sûr que le diable il va nous tenter là où on est fragile, bien sûr qu'il va aller gratouiller là où ça fait mal pour essayer de nous influencer. Mais là, c'est ce que vous voulez. Vous voulez être influent, vous voulez être pertinent, vous voulez être séduisant, séduisante, vous voulez être au meilleur de votre forme, vous voyez. Le diable, il passe pas inaperçu. Il peut si c'est stratégique, mais il est quand même... C'est un grand orateur, c'est quelqu'un qui peut vous vendre ça $3,000, vous voyez. Il en est capable. Quand il veut quelque chose, rien ne l'arrête. Il est dans une manipulation. Oui. Bon, on l'est tous, quelque part. C'est une manipulation positive, hein. C'est pas du tout pour aller embêter les gens, ni leur faire du mal. Le diable, c'est du pouvoir. D'accord ? C'est du pouvoir. Retenez ça. C'est aussi de l'argent. Hein. D'accord ? Donc, l'argent est un moyen. Mais pour le diable, c'est voilà. L'argent peut être un moyen. Ok. L'énergie vitale, la vitalité nourrit mon corps et mon âme. Ouais, ce que je vous dis. Il y a une énergie, ce que vous voulez, c'est de l'énergie, c'est exister, c'est être puissant, c'est être dans la passion. Peut-être qu'il y a des poissons qui sont célibataires et qui vont partir en chasse. Peut-être qu'il y a des poissons qui vont vivre des expériences intenses. Bien sûr qu'on va dire attention, l'énergie vitale, elle est à nourrir aussi. Mais je pense que, vous voyez, entre ce soleil, entre le diable qui est du feu, c'est de l'énergie, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de vous frotter à vos limites, vous avez besoin de sentir la vie circuler à l'intérieur de vous. C'est comme si sur ce mois d'août, vous aviez besoin et envie de sentir de quoi vous étiez capable presque. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est jusqu'où je peux aller, de vous frotter à vos limites, de ressentir de la puissance à l'intérieur. C'est beau, hein, c'est fort. Hein. Alors, l'entrave, le défi, ça va être la reine de deniers. La reine de deniers, elle va nous parler d'ancrage. La reine de deniers, elle va nous parler matière, matériel, prendre soin matériellement. Elle va nous parler d'abondance matérielle. Et comme c'est une femme, c'est un principe intérieur. Alors, ça, il peut s'agir d'un personnage qui vient entraver ce désir-là, que ça soit un homme ou une femme, quelqu'un qui va être, qui va vous résister, quelqu'un qui va pas aller dans votre sens, quelqu'un qui ne vous accorde pas ce dont vous avez besoin sur un point de vue matériel, mais aussi corporel, qui prend pas soin de vous. Ok. Next. À mon avis, c'est vous. À mon avis, c'est un principe intérieur que vous ne vous accordez pas. Là, on va vous dire, faites gaffe. Prenez soin de vous. Là, on veut, vous voyez, on veut de l'énergie vitale, on veut retrouver du pouvoir, on veut retrouver du contrôle, on veut retrouver de la vie, du vivant, de la créativité, de la sensualité. Et là, il y a un endroit où vous n'êtes pas raccord. Il y a un endroit où vous ne savez pas faire. Il y a un endroit où il y a peur de ne pas avoir assez. Il y a un endroit où il y a du manque. Il y a un endroit qui est stérile, pauvre. Un endroit à l'intérieur où ce n'est pas hydraté, où ça a peur de ne pas être abondant, riche. Bien sûr, tout ça, c'est métaphorique. Mais ça va se traduire dans la matière. Moi, il y a un truc avec le pouvoir et l'argent. D'accord ? Vous voulez... Et vous faites tout, vous mettez en œuvre et en même temps, il y a une peur de ne pas avoir. Une peur de manquer, une peur de rater quelque chose. Une peur de, matériellement, oui, quelque chose qui ne se fait pas. Mais c'est un principe intérieur. Donc, j'ai l'impression que c'est un manque dedans. Ça peut être aussi un souci de santé. Faites gaffe, d'accord ? Parce qu'on a le diable quand même. Les excès, ok ? Faites attention aux excès. Et puis, on a l'amour. Un lien unique qui nous relie au monde. Ouais. Il y a peut-être un endroit, soit un endroit à l'intérieur de vous qui ne s'aime pas, vous n'aimez pas telle chose ou telle chose à l'intérieur, soit il y a eu un chagrin d'amour, soit l'amour, vous voyez, vous voulez beaucoup, vous voulez séduire, vous voulez être le plus beau, la plus belle, le plus fort, le plus loin, parce qu'il y a un besoin d'amour, il y a un endroit qui est fragile.
là. C'est marrant, là, on aurait presque un truc maternel qui n'est pas, qui n'a pas été, qui n'est pas là. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas connu de mère sécurisante, aimante, sécurisante au point de vue émotionnel, mais peut-être aussi au point de vue matériel, au niveau du corps, vous voyez. C'est possible. Là, il y a quelque chose à l'intérieur qui ne s'aime pas trop, qui a peur ou qui manque d'amour. Vous voyez les poissons. Il y a un manque d'amour qui se traduit par quelque chose de très concret à l'intérieur de vous. Et même peut-être dans votre vie en général. Il y a un manque. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'enraciner. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'aligner, à s'enraciner. Là, on a vraiment de l'ancrage avec cette reine de denier. Et c'est votre défi. S'ancrer. Comme pour aller créer des racines. Comment on fait? Comment on dépasse ce truc-là? Avec un cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est aussi de l'ancrage. Mais c'est de l'action. On vous parle de lenteur. D'y aller petit à petit. D'y aller pas à pas. Comment on obtient une reine de denier? Comment on apprend à prendre soin de soi? Comment on apprend l'abondance? C'est bizarre à dire. Hein, bah avec un cavalier de denier. Le cavalier de denier, il va tout doucement. Il a un bon bourrin, comme ça. Il va tout doucement, mais il s'ancre. C'est-à-dire qu'il pose des actes dans la matière petit à petit. C'est pas un rapido. C'est pas... le diable, il va être un peu contrarié. Parce que le diable, c'est trace sa route. Hein. Il a toujours... Le diable, c'est un stratège. Il a toujours 15 coups d'avance dans tous les sens. Voilà. Ça, le cavalier de denier, il dit, attends, on y va piano, mais on y va sûrement. Parce qu'une racine, pour pousser, je le disais tout à l'heure, une racine pour pousser, on ne va pas lui dire, hey, dépêche-toi, pousse. Non. Elle va prendre son temps. C'est un processus. Donc là, que ce soit dans une recherche de boulot, dans une conquête que vous faites, hein, d'accord, que dans une relation, allez-y tout doucement et posez des actes précis, clairs. Et aussi, prenez contact avec la nature. C'est-à-dire, toujours faire tout. C'est-à-dire de faire des choses de manière intellectuelle, dans les actes, et d'être relié, vous voyez, corps, cœur, esprit. Là, on a la nuit. La connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. L'idée de ça, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui est caché? Ça peut y avoir des secrets. Bon, allez, vous allez avoir des révélations. Mais surtout, ce que ça veut dire, d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ça, j'ai pas accès. Qu'est-ce qui fait que soit j'ai peur de l'amour? Il y a des gens qui ont peur, hein. C'est-à-dire ça insécurise l'amour parce qu'en fait, c'est une prise de risque, hein. C'est un engagement, c'est une vulnérabilité, l'amour. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de ce truc-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai des blocages? C'est en allant chercher, en allant creuser, en allant éclairer ce qui est caché, que j'arrive, alors évidemment que c'est le cavalier de denier qui va le faire, pas à pas, à aller éclairer ce qui me fait peur. Aller voir mes blocages, aller constater, aller révéler, aller en prendre soin de ces blocages-là, à aller voir de quoi il y a besoin en fait pour être bien dans ce mouvement-là, pour pouvoir être raccord avec cette reine de denier et cet amour dont j'ai besoin. Aller voir le manque, aller voir soit la peur, soit le manque. Il y a un truc qui tourne autour de ça, ok? Mais à mon avis, c'est les deux. Ça va nous donner quoi? Évidemment, si on a écouté ce qui se passe à l'intérieur, bim, bao, roi de denier. Roi de denier, ça peut être quelqu'un qui vous aide à faire ce process, c'est-à-dire à aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Mais roi de denier, c'est surtout la plus haute figure dans les coupes. Hein. Roi de denier, roi de coupe. C'est la plus haute figure dans les coupes, je le disais. C'est celui qui assume ses émotions. En fait, il y a un truc qui se planque parce qu'il a honte, parce qu'il a peur, parce qu'il est en colère, parce qu'il est triste, etc. Vous allez aller le pécho, ce truc-là, et vous allez l'assumer. Alors, peut-être que vous faites aider, peut-être que ça va se faire tout seul, comme des grands, les poissons, vous allez... C'est votre carte à vous, hein. Lui, le roi de coupe, c'est vous, hein, normalement. Hein. Vous êtes censé être le roi des eaux, hein. Cette sensibilité-là va vous aider à écouter ce qui se passe dedans. Mais en fait, qu'est-ce que je veux? Je veux de l'amour. L'amour, le défi. Le roi de coupe, c'est un amour.
Et c'est quelqu'un qui assume parfaitement ses émotions et qui assume parfaitement l'amour, qui peut dire à quelqu'un je t'aime sans trembler des genoux, voyez? Qui peut dire j'ai peur sans trembler des genoux non plus, voyez? C'est pas grave, c'est son domaine des émotions. Donc lui, il est OK avec ça. Et ça, ça permet quoi? Ça permet d'être dans ce qu'on disait, hein, aligné. On n'est plus dans une recherche de limites intenses et tout, dans des addictions ou dans je sais pas quoi, des excès. Là, on est dans un immense apaisement. Et on regarde et on a le trésor. Alors, évidemment, voilà, au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Bah ouais, encore une fois, là, on vous dit, va voir ce que t'as pas envie d'aller voir, ce qui est planqué derrière le truc, le machin, le toc. Va voir ce qu'il y a derrière ton toc, va voir ce qu'il y a derrière ton addiction, va voir ce qu'il y a derrière ce besoin de séduire, va voir ce qu'il y a derrière ton symptôme, on va dire. Parce que derrière, il y a le vrai trésor, ici cache en réalité. Et c'est le roi de coupe qui va pouvoir vous aider à aller révéler ce trésor intérieur. C'est hyper joli. Je vous montre ce que vous aviez en dos de deck. Vous avez le 2 de denier. Alors là, on est dans la matière, un peu comme ce cavalier de denier. Ça va remettre de la souplesse. C'est-à-dire, le 2 de denier, son principe, vous voyez, c'est un équilibriste. Elle est sur un pied en haut d'une tour et même pas peur. L'idée du 2 de denier, c'est de pouvoir jongler avec des situations. C'est pouvoir jongler avec des émotions. C'est pouvoir jongler avec telle ou telle situation. C'est-à-dire, c'est de l'adaptation. Voilà, c'est de la souplesse, c'est de l'adaptation, c'est du mouvement. En fait, de prendre conscience que le trésor, c'est peut-être pas ce que je voulais, peut-être, hein, peut-être c'est exactement ce que vous vouliez, hein. Le diable, lui, il veut quelque chose. C'est pas compliqué, le diable, c'est je veux. il veut du pouvoir, il veut du contrôle, il veut de la séduction, il veut ressentir de manière passionnée les choses parce qu'il y a un besoin derrière. Et finalement, derrière ce besoin irrépressible, ce besoin intense, intensément de sentir qu'il est vivant, eh ben on sent qu'il y a peut-être un manque d'amour ou un manque de reconnaissance ou une part de soi qui ne sait pas prendre bien soin de soi. Ben finalement, derrière tout ça, quand on creuse, ben il y a énormément de sensibilité, énormément d'intuition. Là, le roi de coupe, c'est vraiment des antennes plus. Et surtout, ça vous révèle votre véritable nature, votre véritable trésor intérieur, qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus rayonnant que ce que vous imaginez. Mais ça donne de la souplesse, ça donne des options, ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des options différentes. Ce qu'il faut retenir avec le 2 de denier, c'est pas vraiment « Ah ben j'ai le choix ». Oui, bien sûr, vous avez le choix. Mais surtout, vous prenez tous ces choix. C'est pas comme si vous décidiez « Ah bah tiens, je vais prendre à gauche plutôt qu'à droite ». Non, vous faites les deux. Vous faites même peut-être 3 ou 4. Peut-être qu'il y a cette capacité à s'adapter à plein de personnes différentes, plein de situations différentes, à être vraiment à l'aise, parce que le roi de coupe, il est tellement à l'aise dans ce qu'il est, dans ce qu'il ressent, avec son intuition, etc., qu'il peut aller dans une soirée prout-prout, machin, en smoking, comme il peut aller se faire un barbecue sur la plage avec des inconnus. Comme... Vous voyez, l'image, c'est s'adapter à son milieu, s'adapter à son environnement, parce que dedans, il y a cette immense souplesse intérieure. C'est très, très beau, les poissons. Bravo à vous. J'étais ravie de faire ce taroscope. Laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse toujours de vous lire. Laissez-moi vos pouces, vos likes, etc. Je vous dis, je vous souhaite un beau mois d'août, surtout belles vacances pour ceux qui en prennent. Et puis, on se retrouve au mois de septembre pour la rentrée. Vous serez tous souples, tout disposés normalement. Je vous embrasse, à bientôt.